Avant que cette vidéo ne commence, S3 Family, on a une petite annonce un peu spéciale à vous faire. Voilà, on reçoit de nombreux messages, et ça depuis qu'on a commencé YouTube, qui nous demandent comment fait-on pour entrer dans la Team S3. La réponse, elle est peut-être dans cette vidéo, donc visionnez-la. Mais avant ça, on doit vous dire qu'on a tellement kiffé faire cette vidéo, ce gros tournoi, qu'on a décidé de lancer le S3 Tour. Voilà, on va faire un petit tournoi en Europe, ça va être grandiose, ça va être le feu, les gars. Annie, il est là, Andreas, il est là, moi, je suis là, et il manque qui d'autre? Et il y aura Céane, il y aura Mélodie, il y aura Sofia, il y aura Léamsi, il y aura Moss, il y aura... Enfin bref, il y aura à peu près... Ah, c'est beaucoup. Il y aura à peu près tout le monde. Et du coup... Et petite parenthèse, on va faire un petit reportage d'environ... 25 minutes. Une heure. Oh. Voilà, donc en gros, on va faire un gros documentaire en plusieurs épisodes pour raconter comment s'est passé ce tour. Mesdames et messieurs, c'est un de nos plus gros projets, je pense, depuis ces dernières années. Donc voilà, enjoy cette vidéo. Clique, like, partage, bim, bam, boum. Peace. La Team S3, groupe de freestyle mythique connu pour avoir créé de nombreux tricks et faire des shows dans le monde entier. Avec Céane, ils ont été les premiers street players en France et ils ont défié les plus grands. Et avec Soufiane, ils sont devenus des références dans ce milieu. Et oui, la S3 Family, avant YouTube, la Team S3 a travaillé dur pour se démarquer et faire la différence. Que ce soit en freestyle ou en street football, la Team S3 est présente sur tous les terrains. Et aujourd'hui, ils sont invités à Berlin, la capitale de l'Allemagne. Yo, c'est la Team S3. Et aujourd'hui, on est à Berlin pour s'affronter avec les meilleurs street players au monde. Ah ouais! Welcome to the Adidas Football Base. Yo la S3 Family, comme on vous l'a dit, on est à Berlin. Mais vous savez ce qui va se passer aujourd'hui là? Ça va être un truc de ouf, vous êtes même pas prêts. Tout va se passer aujourd'hui dans ce qu'on appelle la base de Berlin. Franchement, c'est un endroit de fou malade. Et si aujourd'hui on est invité à Berlin dans ce lieu magnifique, c'est parce que Adidas a invité les trois plus grosses teams de street football. Bannerhaus, big respect à eux. Panamatch Berlin qui sont très très forts, qui ne cessent de monter. Et bien sûr, ils ont invité la Team S3 pour représenter la France. Ok, bon là on attaque directement la création du maillot pour la compétition. Il y a Andreas au fourneau là, on sait pas trop ce qu'on va faire. C'est lourd de ouf, restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo parce que on va peut-être vous en faire gagner un maillot S3 qui a encore jamais été fait. Là, regardez, on est prêt, on est changé. On a personnalisé le maillot un petit peu, c'est une création de Andreas. Regardez, je vous montre bien, dites tout ce que vous en pensez en commentaire et à la fin de cette vidéo, on en fera gagner un, celui de Moss. Non, moi je voulais en gagner un. Donc ce qui va se passer aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est qu'il va y avoir deux compétitions, une senior et une junior. Logiquement, nous c'est les juniors et lui c'est les seniors. J'ai cru que c'était ça moi au début, mais en fait non. Les seniors c'est nous et les juniors c'est eux. Ok, l'annonce terminée, on est parti pour le premier match. Vous êtes chaud? Ouais, t'inquiète même pas! Eh, allez, let's go, on y va! Après les matchs des seniors et des juniors, maintenant on passe au 2v2.
Et oui mon pote, comme t'as pu le voir, Andrea s'est pris un petit pont, mais bon ça arrive à tout le monde, lui il en a déjà mis. Et maintenant, pour finir cette compétition, on passe au 1v1. Voilà S3 Family, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le monde du Pana et du Street Soccer t'aura plu. Félicitations à Pana House pour leur victoire. Et comme d'habitude, n'oublie pas de liker, commenter, partager et surtout, abonne-toi.